Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je viens à vous avec le message des anges, avec les cartes d'éveil angélique. Ça fait un moment que je ne les ai pas faites. Et donc aujourd'hui, je viens avec l'ange Ekamia qui nous accompagne du 6 au 10 juin. Et le mot-clé est rêve. Ton mental te guide tout au long de tes journées. Il se nourrit de tant d'informations que le silence disparaît de ton esprit. Alors mets à profit la liberté qui t'est accordée la nuit et accueille le sommeil avec confiance. Il t'ouvre l'accès à un espace que ton mental ne peut contrôler. Laisse donc ton esprit léger s'élever vers les sphères lumineuses dont il est issu. Il vagabonde librement et joyeusement. Pour lui est venu le moment de s'exprimer et surtout de percevoir ce que le mental, lui, cache pendant l'éveil. Ainsi, les rêves sont-ils d'une manière de te retrouver toi-même, mais aussi d'accéder à des plans spirituels habités par les énergies de lumière. C'est aussi le moment pour moi de communiquer avec toi. Il te faudra apprendre à me reconnaître. Sois donc attentif. Les conseils sur le plan physique. Accueille le sommeil comme un ami. Réjouis-toi de le retrouver chaque fois que tu l'appelles. Il est la porte vers les sphères supérieures dans lesquelles nous t'attendons. Le conseil sur le plan émotionnel. Les rêves sont les fruits de tes pensées, de tes désirs, de tes émotions. Si tu vis l'équilibre et l'harmonie, tes rêves en seront le reflet. Si tu fais des cauchemars, n'éprouve pas de peur, mais demande-toi plutôt quelle en est la cause. Et le conseil sur le plan spirituel, lorsque tu dors, ton esprit rejoint les plans supérieurs où il est né. C'est sa façon de se ressourcer. Parfois, nous communiquerons avec lui par les rêves. Apprends à lire nos messages. Voici ce merveilleux message de Ekamia pour la période du 6 au 10 juin avec le mot-clé rêve. Veille à tes rêves et n'oublie pas de rêver également, j'ai envie de rajouter. Très bonne période à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.